au chapitre 8, psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. 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 Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Les choses auxquelles tu tiens, mon bien-aimé frère, c'est vraiment ta parole à toi. Je voulons vraiment, mon Dieu, observer cela avec beaucoup d'attention, Père, et prêter réellement nos oreilles à ce que toi tu nous dis. Je voulons vraiment te dire encore merci de que tu as réveillé en nous ces sentiments d'amour, Père. Pour ta parole à toi, mon maître béni, de prendre en considération ce que toi tu es, mon sauveur, de réaliser que c'est ta parole à toi, Père, dans laquelle se trouve encore la puissance et l'autorité, Père. C'est au travers d'elle que nous sommes transformés, mon maître béni. Alors nous te remercions encore ce soir, mon sauveur, de nous avoir accordé la grâce d'être rassemblés en ces lieux. En ton nom glorieux, mon maître béni, Père. Oh Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom à toi, mon sauveur, pour recevoir tes instructions, mon bien-aimé Père, par ta parole à toi, béni. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon Seigneur, qui ont été chantés en ces lieux et qui sont montés aussi devant ton trône de grâce, ô notre Dieu. Tu as vu aussi l'élan de nos cœurs. Nous le voulons encore davantage, ô Père. Beaucoup d'essais d'amour encore, mon bien-aimé Père du Saint. Pour toi, le Dieu très haut, qui ne change point, Père. Souviens-toi de mes frères et sœurs, mon roi. Pas chacun d'eux, mon bien-aimé Père du Saint, qui a quitté sa maison à différents endroits où il s'est trouvé, bien-aimé Père. Pour revenir à cet endroit, se rassembler autour de ta parole à toi, Père. Souviens-toi de ceux qui sont aussi en connexion, Père. Nous te prions encore réellement de bénir et de fortifier encore davantage, mon roi. Mon âme te reconnaissante encore ce soir, Père. Pour ton amour et ta bonté à notre endroit, mon maître béni, Seigneur. Je nous accorde encore la parole sous les pieds encore aujourd'hui pour te louer. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu fais, Père. Merci encore pour le psaume, mon maître béni, Père. Il nous montre vraiment aussi ta grandeur et ta miséricorde dans notre endroit. Tu es vraiment grand, mon maître béni. Louange et honneur à toi, toi qui es le Dieu très haut. C'est vrai, ton nom est vraiment merveilleux, Père. Il est vraiment magnifique, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir. Accorde-nous pour la grâce de vraiment te servir comme tu le veux, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce que nous pouvons avoir cette grâce encore aujourd'hui et de nous retrouver ensemble ce soir pour louer son Saint-Nom et les glorifier aussi comme notre bien-aimé frère l'a chanté. Nous voulons considérer certainement sa parole. Alors c'est au travers de cela aussi que le Seigneur, notre Dieu, nous éclaire et nous montre effectivement où est-ce que nous en sommes. Et comment aussi les choses
pouvons aller dans ce monde dans lequel nous nous trouvons et les temps aussi. C'est vrai, c'est cela que aussi cet homme de Dieu, le prophète Moïse, pouvait dire que enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ta sagesse, effectivement, pour que nous puissions réaliser en réalité ce qui est important à tes yeux et ce qui doit aussi être aussi important aussi à nos yeux aussi. Nous le remercions pour ce qui a fait pour nous le mardi, combien nous étions heureux. Que Dieu bénisse vraiment notre frère et jeunes nos enfants qui jouent aux instruments. Que nos grâces, nous pouvons voir dans l'onction des anges. Alors les choses, c'est une grande bénédiction. Amen. Et nos grâces, c'est vraiment extraordinaire. Nous l'avons senti, il est vraiment présent. Il est descendu et nous sentions qu'il était là. Amen. Et nous ne voulions pas partir. Ah, c'est pour ça que nous les supplions qu'il nous aide à nous donner aussi la grâce de rester aussi pendant un temps dans la prière. Amen. Voir et nous chercher aussi sa face, comme nous l'avons dit l'autre fois. Nous pouvons commencer, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons terminer. Nous voulons donner vraiment ce temps à notre Dieu, qu'il puisse nous aider à ce que nous soyons vraiment tout le temps disposés quand nous venons dans sa maison. Nous ne sommes pas comme les autres, effectivement, qui sont stressés et pressés de pouvoir rentrer à la maison, mais nous sommes de ceux-là qui veulent vraiment être dans sa présence. Et comme Marie avait trouvé grâce à ses yeux de pouvoir s'asseoir à ses pieds, nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mon frère et ma soeur. Nous courons pour des choses tellement inutiles sur la terre, mais nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Il nous est vraiment important, nécessaire que nous puissions nous préparer de la manière dont, et puis qu'il faut que pour se préparer, il faut aussi savoir de quelle manière il faudra se préparer. Et c'est pour ça que nos rassemblements ont un sens, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous parle et nous accorde vraiment la grâce. Et j'avais le cœur est tellement touché de pouvoir voir aussi l'élan de cœur des uns et des autres, et de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur et en laisser aussi leur des préoccupations, six occupations à l'extérieur, de pouvoir se retrouver pour que nous puissions avoir cette communion avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Vous ne vous rendez pas compte d'être frères et sœurs, c'est que un jour nous serons de l'autre côté du rideau. Un jour, certainement. Nous passerons de cet état naturel, effectivement, à un autre état. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ce sera toi, mon frère, ce sera moi-même. Ce sera aussi chacun de nous ici. Nous devons compter, effectivement, en réalisant que le fait que nous soyons assis à cet endroit, c'est vraiment une grâce que Dieu m'accorde à moi de me préparer pour là où je dois aller. Tandis que les autres se préoccupent de beaucoup de choses, mais moi, je me prépare pour pouvoir réellement rassurer aussi l'endroit où moi je serai. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il nous accorde la grâce. Et vous savez, nous avons vraiment beaucoup de frères et sœurs qui sont en connexion parmi nous. Et surtout, je pense à la famille de notre frère Marcel de Krefeld. Ses frères et sa famille, c'est extraordinaire. Ils sont tellement attachés et à nous. Et à chaque réunion, à chaque moment, ils prennent part à cela. Et quand il y a quelque chose qui se passe, effectivement, quand les sons ne passent pas tellement très bien, alors ça travaille aussi le cœur. Mais ils sont tout le temps en connexion et ils ont aussi ce désir de pouvoir tout le temps prendre part à ce que Dieu fait. Et je crois que le Seigneur le fait. Il y en a aussi de frères, je dis, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ou à d'autres, j'étais étonné de voir quand on m'a montré les statistiques de pays jusqu'au fin fond et auxquels je ne pouvais jamais imaginer qui pouvaient être en connexion avec nous, effectivement, et qui pouvaient avoir la possibilité de pouvoir aussi écouter sur les prédications aussi. Beaucoup, beaucoup. Et quand ici, l'autre fois, le frère priait en disant, il parlait du monde entier, il disait Dieu du ciel. Mais c'est vrai, c'est vraiment presque dans le monde entier, sur les îles les plus profondes, que même les noms, j'ai dit, mais j'ai découvert effectivement, oui, frère, c'est vrai que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment à l'œuvre pour attirer un peuple qui est à lui. Nous n'avons pas l'impression, mais nous devons être conscients que ce que le Seigneur fait à partir de cet endroit parcourt le contrée dans le lieu le plus reculé et
dans le monde, effectivement, où il y a des âmes, même sur l'île Maurice, sous les îles, au Papouasie même, au plus profond, quand les plus reculés. Et c'est vrai, le Seigneur accorde vraiment cette grâce. C'est ainsi que nous devons aussi réaliser, et comme je disais autrefois, je dis que même ici aussi en Belgique, hein, beaucoup, hein, et dans différents endroits, et différents points, effectivement, reculés des provinces aussi, se connectent aussi pour pouvoir arriver à pouvoir écouter et suivre effectivement les réunions et écouter la parole de Dieu que nous recevons tous en cet endroit. Nous remercions notre Dieu pour son amour. Nous le remercions effectivement aussi pour le privilège qu'il nous a donné à nous de pouvoir aussi être de ceux-là qui peuvent s'asseoir ici et le louer et le chanter de tout notre cœur et de pouvoir aussi, c'est vrai, peut-être que nous ne réalisons pas cela, mais ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont au loin, réalisent aussi cette grâce aussi de pouvoir savoir que nous retrouvons ici ensemble dans le lieu où le Seigneur, notre Dieu, aussi parle et agit aussi et sauve aussi et attire encore davantage et nous montre aussi de quelle manière les choses en fait, avancent effectivement dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Enfin, que nous soyons sûrs et certains que nous ne battons pas en l'air et que nous ne faisons pas les choses selon notre façon de pouvoir faire, mais que nous faisons les choses effectivement selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu et certainement selon la volonté de Dieu, parce qu'il nous faut tous accomplir cette volonté de Dieu et pour que nous puissions avoir réellement accès à la promesse que Dieu nous a donc faites effectivement pour que nous puissions ces jours-là dans sa présence. Nous nous préparons certainement, mon frère et ma soeur, parce que comme l'apôtre Paul, j'aime beaucoup aussi, a dit, mais oh, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc ils nous attendent effectivement. Je préfère souffrir pour la cause de Christ aujourd'hui, de pouvoir réellement souffrir parce que bon, le monde est ainsi et que je prends part aux choses de ce moment. Il faut que je puisse réellement être conscient, madame, de ce que je veux et ce que je désire. Dans le livre de Matthieu, nous lisons l'Écriture. Matthieu au chapitre 3, cela oui. Non, 6, je pense, c'est cela. Matthieu chapitre 6. Je pense que c'est cela. Vous avez dit, ça va. Matthieu chapitre 6. J'ai donné donc la requête que nous allons prier tout à l'heure. Il s'agit de la maman de notre frère Yves de Rué. Et elle est donc, on l'a trouvé donc dans le tombé dans la chambre l'été, effectivement, parce qu'on avait pu se lever depuis quelques jours. Et là, on l'avait amené à l'hôpital. Il était donc dans le coma. Il a eu donc à pouvoir avoir les hémisphères du cerveau qui ont été donc touchés. Elle se trouve donc dans le coma à l'hôpital. Hier, le frère m'avait appelé pour que je prie pour sa maman, et qu'il voulait aussi donc que je puisse partir. Je partirai demain. Je lui dis que j'ai prié donc hier. Donc, il m'a encore appelé ce matin. Et je pense que le Seigneur, alors le frère Daniel m'a appelé tout à l'heure. Ils sont partis à l'hôpital, ils vont donner les informations. Je crois que le Seigneur a entendu les prières. Amen. Et que d'après ce qu'il m'aurait dit, la maman est sortie du coma. Amen. Nous entendons, effectivement. Mais demain, Dieu voulant, je devrais descendre là-bas. Parce que le frère a voulu que je puisse aller. Notre sœur Léa aussi, sa maman, se trouverait aussi aux urgences dans l'hôpital. Et son état n'est pas aussi très bon. Nous prierons aussi tout à l'heure pour cela. Amen. Que le Seigneur accorde la grâce. Nous traversons des moments difficiles, mais nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Dans Matthieu, chapitre 6, nous lisons notre frère Christian va aussi dans les scènes qui se fait, nous prions tout à l'heure. Matthieu, chapitre 6, nous lisons verset 19, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Seigneur, nous te remercions encore pour cette grâce d'être là. C'est vrai que nous pensons à notre sœur, la maman, notre bien-aimé frère, Yves Père, qui
qui est à l'hôpital aujourd'hui et qui compte réellement aussi sur nos prières, Père. Nous remercions pour ce drainement, tu l'as fait sortir de l'état dans lequel il se trouvait. Et nous croyons de tout notre cœur, Père, que les valides puissent beaucoup mieux en mieux, Père. Nous te supplions encore d'agir encore, Père, parce que tu vois son âge aussi avancé et il a besoin de toi, mon roi. Tes enfants ont besoin de voir la voir aussi en bonne santé, Père. Et moi aussi pour la mort de mes soeurs Léa, Père. Nous te prions, mon Père, parce qu'il est dans un état aussi d'appeler, complètement de reconnaître, Père, qu'il puisse encore venir dans la mémoire, Père, Dieu, qu'il soit en parfaite santé, délivré, Père, et guéri par toi. Parce que tu le fais, Père. Bénis-nous encore au travers de ta parole encore ce soir. Nous t'implorons la grâce, mon bénédicteur Père Saint, parce que nous voulons vraiment apprendre encore davantage de toi. Nous ne savons pas ce que le lendemain peut nous réserver, Seigneur. Nous voulons vraiment garder comme mon précieux frère l'a chanté encore ce soir, Père. Oh Dieu, nous voulons considérer ce qui est important dans tes yeux, Père. Aide-nous encore pour voir le temps est tellement devenu très sérieux, Père. Merci encore, ce que tu as dit, Seigneur, de mes soeurs, Seigneur. Nous te remercions, Père, au lieu pour notre soeur de ta vie d'affaires, que ton nom soit béni, agis encore davantage pour moi. Je te remercie parce que tu es vraiment le Dieu de ta parole. Aide-nous encore ce soir, je t'ai supplié, pour nous, c'est Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, le Seigneur agit. Amen. Il travaille, effectivement, comme nous l'avons entendu, il fait le travail dans le cœur de chacun. Amen. C'est un travail profond dans lequel le Seigneur est en train de pouvoir agir. Pour que nous puissions arriver à pouvoir être maintenant dans sa présence et arriver à pouvoir refléter ce qu'il est. Quand nous venons de pouvoir le lire, et cette écriture, c'est toujours merveilleux parce que c'est ce que le Seigneur, notre Sauveur, dit. Vous savez, et c'était d'abord quand les disciples lui ont posé donc la question, ils lui ont fait aussi une demande à travers de cela, en disant, mais. Jean enseigna à ses disciples comment il faut prier et enseigne-nous aussi comment aussi est-ce que nous pouvons prier effectivement ainsi de suite. Et puis bon, le Seigneur leur fait comprendre effectivement de quelle manière il faudra arriver à pouvoir prier pour ne pas ressembler effectivement à des hommes qui veulent qu'on puisse, qui font simplement des choses pour que les autres le voient et les autres les apprécie effectivement comme si, parce que quelque part ils cherchent à pouvoir être rehaussés aux yeux des hommes, hein, qu'on les considère comme étant des hommes très spirituels ou des femmes très spirituelles effectivement en faisant des choses, et vous le dire, hein, il dit, et puis il leur met en garde effectivement en leur montrant que les hommes ne comprennent pas grand chose, hein. Ils pensent pouvoir tromper Dieu, mais parce que tu peux pas tromper Dieu. Amen. Tu peux tromper les hommes, oui, mais pas Dieu. Amen. Quand il s'agit des choses de Dieu, il faut apprendre effectivement. Et ce que c'est Dieu là veut, de manière à ce que tu puisses obtenir quelque chose. À quoi ça te sert de pouvoir s'aimer sans récolter? Alors ici, il leur dit, au verset, chapitre 1, il leur dit, gardez-vous. Chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Donc, ne faites pas parce que les pharisiens, les sadducéens, ces gens-là sont comme ça. Vous savez, non? Et alors, ils aiment bien hein, la première place, les longs filataires, et quand ils font des prières, ils font 5 heures de prière. Pour ça, ils sont vraiment des saints, évidemment, et ils vous marchent avec un côté gourmé. On voit que c'est l'humilité, effectivement, mais ce sont des sépulcres blanchis. Vous avez une brochure que frère Defonce a terminée, je crois que peut-être dimanche prochain, on pourra voir comment Dieu permettra pour que vous ayez quand même un exemplaire de chacun. Lisez-la. Prenez le temps de pouvoir vraiment prier et lisez-la. Que le Seigneur nous aide. Et nous verrons aussi effectivement ce qu'il a mis en rapport. Alors il dit, autrement, c'est ce qu'il dit, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si donc je fais les choses, même s'il dit que c'est de Dieu, mais quand je fais les choses pour que je sois vu des hommes, qu'ils voient effectivement, ah, oh, quel homme spirituel, ah, oh, quel homme effectivement, c'est sûr et certain. Aux yeux de Dieu, ça ne vaut absolument rien. Amen. Amen. Et puis il continue ici, il dit, donc, le problème c'est que nous avons la grâce de ce que le Seigneur, lui, il nous parle, nous montre effectivement, parce que les autres, en réalité, ils courent comme ça, mais lui, il nous parle pour que nous comprenions que ne suivez pas la voix des autres. Amen. Vous ne devez pas copier les autres, en fait. Vous, vous avez l'original. Amen. Et que vous, en tant que fils de Dieu, il est tenté de voir nous instruire pour que nous manifestions effectivement ce que lui, il nous a donné. Alors nous continuons ici, il dit,
Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Moi je fais toujours, il faut qu'on voit que je fais effectivement. Alors, le Seigneur dit, mais toi ne le fais pas. Amen. Amen. Il dit, vous êtes, à vous, je vous l'ai dit, mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas aux choses de Dieu. Donc, eux, ils peuvent le faire, et ils ne savent pas qu'en faisant comme ça, ils savent davantage effectivement que les hommes le louent. Mais ces hommes-là, ils sont mortels comme toi. Amen. Où est-ce qu'ils vont te placer? Ils disent, ah, il est le plus grand, mais c'est leur bouche. Mais devant Dieu, tu n'es pas le plus grand. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Donc, ce que moi, j'attends, c'est que même les hommes me disent qu'il est le plus mauvais. Amen. Et qu'il n'est pas spirituel. Amen. Mais que Dieu, quand il me regarde, Amen. Il dit, voici l'homme. Alléluia. Amen. Voici ma fille. Amen. Voici mon fils. Amen. Donc, nous ne combattons pas pour que les hommes nous apprécient. Amen. L'apôtre Paul le disait, est-ce la faveur des hommes que je désire? Non. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu cherche simplement l'approbation de son Dieu. Amen. Je me bats pour cela. Alléluia. Quand je sème, je dois récolter. Amen. Je ne sais pas pour dire, ah voilà, il a un style de s'aimer. C'est bon d'avoir un style, mais quand ça ne pousse pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, même si je n'ai pas un style, mais Jésus courbé. Mais quand ça, j'essaie, ça doit pousser. Amen. J'attends la récolte. Amen. Amen. Donc ce que je dois faire, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais pour Dieu. Amen. Parce que c'est lui que je sers, c'est Dieu lui-même. Alors, il dit, je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand toi tu fais l'aumône, que ta main gauche Alléluia. Ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Hein? Amen. Après, il continue de dire, afin que ton aumône s'efface en secret, Amen. Et que ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Toi, tu dois savoir effectivement que tu ne travailles pas pour quelqu'un, Amen. Mais tu es au service de Dieu. Amen. Frère et soeur, c'est vrai, on va dire que non. Vous êtes aussi des servants. Amen. Comme les frères sont des serviteurs, Amen. Vous êtes les servants de l'Éternel. Amen. Mais oui, mais je suis la servante de l'Éternel, Amen. Qu'il me soit fait. Amen. Ah, c'est notre parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, vous aussi, sœurs, ne faut pas penser au nom. Non, vous aussi, parce que maintenant, il faut que nous comprenions une chose, mon frère et ma sœur. La Bible dit quelque part dans les saintes écritures, je pense dans le livre des Galates, Galates, vous voulez le dire avec moi. Galates, effectivement. Juste lire l'écriture, que notre réflexion dans le livre de Matthieu, que je pense bien pour moi. Voilà. Et voilà, je pense que c'est cela aussi. Galates au chapitre 3. Il dit ceci, verset 26, Galates 3, verset 6. Vous suivez? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Verset 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Je le dis encore. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, on n'a pas dit les hommes, les frères qui ont été baptisés en Christ. Non. Vous suivez? Amen. Il dit, vous tous, Amen. Donc frères et sœurs, Amen. Qui avez été baptisés en Christ, Amen. Nous avons tous revêtu Christ. Amen. Vous avez entendu? Amen. Nous continuons l'écriture, que Dieu te bénisse. Il dit, Amen. Alors ainsi, il n'y a plus Amen. Ni juif, Amen. Ni grec, Amen. Il n'y a plus ni esclave, Amen. Ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, Amen. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Donc effectivement, nous réalisons que nous sommes tous, mon frère, toi ma soeur et toi mon frère, au service d'un saint Dieu. Amen. Et vous remarquez très bien, comme l'Écriture le dit aussi, que ici, pas par le chose, mais il dit, je crois que c'est 3, verset
Verset 6 dit, mais vous tous donc qui avez été baptisés en Christ. Vous comprenez ça? Hein? C'est-à-dire que vous tous qui avez été baptisés dans son corps. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc nous avons rejeté Christ. Et quand vous regardez le corps de Christ, il y a plusieurs membres. N'est-ce pas vrai? Amen. Et chaque membre a sa place. Amen. Et aussi sa fonction. Donc, dans le corps, effectivement, le membre fonctionne. Le membre, effectivement, on a le rôle de travailler, de fonctionner. Chaque membre, effectivement, a sa place, a sa fonction, effectivement, et doit agir. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, il agit, effectivement. Donc, quand nous aussi, nous sommes dans ce corps, et certainement, nous servons le Seigneur. Donc, comme les frères, comme les sœurs, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, et Dieu a donné aussi des dons, que ce soit des visions aussi pour les sœurs. Amen. Des songes aussi pour les sœurs. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Les dons qui sont là. Les sœurs sont des dons aussi. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, nous sommes appelés à pouvoir, comme je disais tout à l'heure, effectivement, que notre objectif, c'est que nous ne servons pas un homme. C'est pour ça que nous devons sortir effectivement de toutes les pensées dogmatiques, systématiques, effectivement, avec des religions auxquelles nous étions plongés. Qu'on puisse être sorti, en fait, parce qu'il faut que nous soyons lavés d'une eau pure, de la conscience, de la mémoire, le subconscient, tout nettoyé. Pour que nous soyons une nouvelle création. Qu'il appartient effectivement que à son seul créateur qu'il a créé. Amen. Parce que à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues donc nouvelles. Donc effectivement, cette personne, elle s'accroche certainement à celui qui a eu à pouvoir agir pour lui. Nous continuons, comme je l'ai dit. Verset 5 dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous comprenez ça? Amen. L'apôtre Paul dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Amen. Alors, il y a un frère qui m'a écrit, pour me poser la question, mes frères, puisque, en élevant les mains, je crois que c'est dans le livre de Timothée quelque part, je pense. Et vous connaissez l'Écriture, non? Amen. Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Qui ne connaît pas l'Écriture? Ah, vous n'avez jamais lu ça, on va trouver ça. C'est écrit quand nous l'avons quand même lu il y a longtemps. C'est dans Timothée, je pense que, oui, quelque part, nous allons essayer de trouver. Oui, que Dieu te le dise, ma bien. Il n'y a pas de problème, nous allons quand même le trouver, parce que et nous voulons quand même que cela soit lu, effectivement. Voilà. Voilà. C'est 1 Timothée chapitre 2, si c'est bien. Ici. Voilà. Ici. On va lire à partir du verset. Oh, on va lire à partir du verset. Verset 7. Non, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre 1 Timothée 2, 7. 5, pardon. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, j'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire des païens dans la foi et la vérité. Verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. J'ai vu aussi que les femmes veux-tu ainsi. Alors, effectivement, bon, vous avez remarqué ici dans le chapitre 6, le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Cela ne veut pas dire, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas te mettre debout dans l'assemblée pour prier. Non. Tu peux te mettre debout. Tu peux prier Dieu, que ce soit assis ou debout, effectivement, comme l'Écriture. Mais seulement, c'est la pensée ou l'intention dans laquelle tu fais quand tu te mets debout, même à genoux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même le fait de mettre à genoux, pourquoi tu le fais? Pour qu'on voit que je suis vraiment saint. Ou bien je le fais parce que le Saint-Esprit me conduit à mes lumières là. Amen.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est toujours en fait, les... parce que l'hypocrite c'est toi-même. Moi, quand tu te mets à genoux, quand tu te lèves debout, je ne sais pas savoir si tu es hypocrite. Mais en fait, toi, tu te connais. Donc, quand je me mets debout là, que les gens voient que mes mains sont élevées vers le ciel. Donc, Dieu sait la pensée que tu as. Amen. Donc, tu dois connaître effectivement que ce que j'ai fait, je l'ai fait pourquoi. Est-ce que vous vous saisissez? Quand tu l'as fait pour Dieu, quand tu te lèves debout, effectivement, quand tu pries Dieu, si quelqu'un qui est à côté de toi se moque de toi, c'est son problème. Amen. Aussi longtemps que toi, tu es sincère dans ce que toi, tu fais, Amen. Dieu prend acte de ce que tu es. Amen. Alors le frère m'avait posé la question, mais l'apôtre Paul ici, il dit, mais que, oui, mais c'est dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère, mauvaise pensée. Donc il n'y a que les hommes qui peuvent prier avec les mains levées, et pas les sœurs, effectivement. C'est la question que... Mais quand on parle de la prière, je veux que les hommes, quand on parle des hommes, ça veut dire qu'hommes et femmes. Amen. Donc, frères, sœurs, oui, certainement, qui prient, parce qu'on ne peut pas dire que les frères prient, puis les sœurs ne prient pas. Non, mon frère, quand on prie tous ensemble. Amen. Nous sommes, et puis la prière, c'est quand même pour tout en ce cas. Non, en tant que fils et filles de Dieu, ce n'est pas seulement réservé aux hommes. Donc là, effectivement, quand... Quand nous prions, que ce soit debout, ou à genoux, ou couché par terre, on doit savoir pourquoi on le fait. Parce qu'il ne veut pas dire, mais pourquoi le frère se couche par terre quand on... Non, le Seigneur le conduit peut-être comme ça. Amen. Parce qu'il sent que cet état-là, je m'humilie devant Dieu. Amen. Ah oui, il n'est pas dit seulement qu'il doit se mettre debout, non. Il dit, mais si lui, Dieu le connaît, mais je vais m'agenouiller là. C'est que le Seigneur l'a conduit comme ça. Il ne le fait pas pour toi, mais il le fait pour Dieu. Amen. Mais si maintenant il est fait pour que toi tu le vois, alors ça ne vaut pas la peine. Amen. 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 Bon, comme le Seigneur l'a dit ici, donc, nous revenons dans Matthieu, hein, au chapitre 6. Donc, il dit, donc, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, disons, c'est comme quand vous allez faire des... Ah, je sais pas, moi, je... Ça, c'est l'histoire, en fait, moi, je sais pas. Bon. Oui, c'est vrai que... Oui, enfin, bon. Alors, il dit qu'il aime à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand toi, tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Ferme ta porte. Et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ça ne veut pas dire que quand tu viens à l'assemblée, tu t'assieds comme un marbre. Ah, le Seigneur a dit, il faut que je rentre dans ma chambre quand je rentre. Oh, je ne peux pas comprendre que c'est vrai. Comme il dit, oh là là, là moi j'attends, moi j'écoute la parole. Si je dois prier, je dois rentrer dans le lieu secret. Non, mon frère. Il faut parler à l'extrême. Quand tu te trouves dans la maison du Seigneur, nous prions ensemble. Amen. Nous louons Dieu ensemble. Amen. Et vous vous souvenez quand même, lorsque Pierre et les autres ont été flagellés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers les leurs. Amen. Mais pas libre. Ils ont élevé leur voix ensemble. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, dans la prière, ils vont être aussi au temple, effectivement, pour prier ensemble. Mais il faut que nous comprenions, effectivement, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Amen. Qu'on ne doit pas chercher à faire des choses pour être vu des hommes. Mais nous devons faire les choses effectivement parce que nous cherchons la gloire de Dieu. Et puis qu'on ne soit pas assis à l'assemblée, bon je suis comme ça, qu'on ne voit pas que, bon qu'on voit, je ne vais pas faire pour la vie des autres. Non. Quand tu es aussi en communion avec Dieu, on doit voir que la vie de Christ est en toi, que tu prends part aussi à ce que Dieu fait dans l'assemblée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que l'on soit équilibré. Amen. Faut que, mais c'est vrai, frère. Comment vous me dites que tu es à la maison en communion avec Dieu et tu viens ici, il n'y a pas de communion? Vraiment. Quand je suis chez moi à la maison, j'ai communion avec Dieu. Quand je viens ici, mais c'est sûr, c'est certain que quand Dieu descend, la parole descend, je ne peux pas rester insensible. Amen. Non, mon frère. Amen. Quand tu sens que tu ne peux pas réellement aussi te donner à Dieu comme ça pour être à la parole du Seigneur, viens, demande, on priera pour toi. Amen. Dieu, le Seigneur, te délivrera effectivement. Parce que la timidité ne fait pas partie des enfants de Dieu. Amen. C'est un mauvais esprit. Amen. Il faut arriver à pouvoir chasser. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Il faut... C'est pour ça que quand le Saint-Esprit descend, Pierre, David veut sauter, effectivement. Oui. Amen.
Quand il est normal, évidemment, tu dis, bon, c'est pas normal, mais quand la présence du Seigneur descend, et on n'est plus pareil. Amen. Dans la maison du Seigneur, je peux me tenir comme de l'éternel chez moi à la maison. Ici, c'est différent. La crainte y est, la joie y est, effectivement, j'y entre, je m'attends à ce que Dieu me saisisse. Amen. Je veux que Dieu fasse quelque chose en moi. Amen. C'est sûr et certain, ça. Oui, et c'est comme moi, là, toujours, il y a pouvoir dire. Nous sommes différents, frères et sœurs, des catholiques, des mahométans, ici, là, pourquoi? Parce que nous sommes un corps vivant. Vous ne venez pas pour voir le pasteur, vous venez pour écouter la parole. Amen. Le pasteur a son rôle. Amen. Vous, vous avez aussi le rôle, votre le vôtre dans la réunion. Amen. Lui, il prêche la parole. Amen. Ben nous, qu'est-ce que nous avons, c'est, lui, il a apporté ce que Dieu lui a donné. Amen. Mais qu'est-ce que moi j'ai apporté aussi aujourd'hui? Amen. Donc chacun de nous doit aussi prendre part à la réunion. Amen. Qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Amen. Je viens simplement pour écouter. Non, Dieu aussi quelque chose. Amen. Parce que tu viens de la présence de ton Dieu. Mm. Je dois lui apporter quelque chose. Amen. Qu'est-ce que je lui apporte? C'est sûr et certain. Oui. Ah oui, mon frère et ma soeur. Nous devons être conscients de cela, que nous devons prendre part dans cette réunion. Vous savez, comme. Je crois que ma tête dit ça. Oui, je te dis. Rien que ta présence à toi, le fait que tu quittes chez toi la maison, que tu viens ici, c'est déjà une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour ton frère, Amen. Pour ta soeur. Amen. Il dit, je vais aller là-bas. Pourquoi je vais? Seigneur, pour te louer. Mais pour aussi encourager mon frère. Amen. Encourager ma soeur par ma présence. Amen. Parce que c'est pourquoi vous pouvez entendre que la Bible dit, mais ils sont sortis mais de nous parce qu'ils n'étaient pas de nous. S'ils étaient de nous, ils seraient restés. Amen. Pourquoi, frère? Parce que quand nous sommes de Dieu, il peut y avoir une situation, mais on doit s'arranger. Amen. On trouvera toujours une solution. Si chaque fois qu'il y a un problème dans le mariage, ah, on divorce, il n'y aura pas de mariage, frère. Non, mais c'est vrai quand même. Que le mari dit, voilà, maintenant je veux du pain. Ah, je ne veux plus supporter mon mari. Frère, voici, je m'en vais. Il a voulu du pain. Ça t'a fait dire, bon, ok, ça va, du pain. Ok, je vais faire du pain. On se trouve dans un moment de calme, on part. Et puis on a encore des situations. Mais c'est vrai. Un petit rien, non, divorce. Un petit rien, divorce finalement. Ça sert à quoi de se marier? Ça sert à quoi de se marier? Et puis quand même, on pose la question, monsieur, pourquoi vous voulez divorcer? Bon, parce qu'elle n'a pas fait la soupe comme ça, c'était bon. Genre. Quelle soupe? Marée de soupe. Mais ça, on peut même l'acheter au magasin, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Si la femme ne sait pas faire les petits potages comme cela se doit, je ne vous dis pas de ne pas parler, mais bon, tu ne dois pas frapper la femme. Je donne un exemple. Tu vas au carrefour. Il y a des soupes en boîte. C'est vrai. C'est un exemple. Pour la soulager, tu prends la soupe en boîte, tu contrôles, puis tu mets dans la casserole, tu chauffes. Et puis quand elle va te voir, un jour, tu bois la soupe en boîte, deux jours, soupe en boîte, trois jours, ça va travailler. Vraiment. Mais bien sûr, mon frère, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est? Oh, mon chéri, il n'y a pas de problème. La soupe en boîte, elle est aussi bonne. Tu vois, elle fait des pas. Comment mon mari peut toujours aimer la soupe en boîte? Si elle est une femme normale, bon, hier, soupe en boîte, aujourd'hui, soupe en boîte. Non, 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 je dois faire une soupe. Vous allez voir, elle va rentrer dans la cuisine et pour chercher des livres à gauche et à droite. Comment on fait la soupe en boîte? Oh, sœur Béli, sœur Béli. Parce que c'est professeur, sœur Béli, sœur Béli, dis-moi, qu'est-ce que tu mets là? Mon frère, ma soeur, pourquoi avez-vous honte? Amen. Vous avez soeur Béli, je les ai soeurs. Telle soeur connaît, appelez-la. Ma soeur, tu connais, non, je ne connais pas. Comment tu as fait? Elle va te dire, mais j'ai pris des concombres, j'ai poussé, j'ai mis un peu de citron. C'est comme ça que tu fais. Ok, alors tu la vois là. C'est à Béli à donner l'information. C'est passé. C'est simple, frère. Amen. Si quelqu'un sait quelque chose que moi je ne sais pas, pourquoi ne pas aller vers mon frère? Amen. On ne sait pas tous tout faire. Non. Eh bien, on demande l'aide, effectivement. Voilà, il y a de moi, puis bon. C'est ça, quand on est simple, frère, les choses vont tellement simples. Amen.
Quand on est compliqué, on se complique soi-même. Alors on dit, oh, je sais faire. Tu sais pas tout faire. Les casseroles, ça passe pas, ça brille. Comment pas la soupe, c'est brûlé. Demande comment on règle le feu. C'est simple. Amen. C'est vrai. Amen. Et oui, Dieu nous a pour la grâce de régler. Et je crois que les choses vont passer simplement et on va de l'avant. Parce que, en fait, ce qui unit davantage, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Alors on fait quoi? Supporte tout. Amen. Mais on supporte tout. On n'a pas à vouloir. Et puis quand il y a une situation, ben, on s'arrange. On met les choses en ordre et puis on continue. Bon. Il dit, verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous avez entendu? Donc, ils sont là, ils très s'imaginent. Bon, là, quand je vais lui citer les chapitres, les versets, répéter un peu pour que les autres qui sont comptés comprennent qu'effectivement, que moi, je suis vraiment barricadé dans cela, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut savoir qu'avant même que tu aies prié, Dieu connaît. Donc, dans ta prière, sois simplement sincère. Vous savez, mon frère, Dieu peut aussi conduire quelqu'un à prier longuement. On n'a pas dit seulement qu'on vient là-bas. Gloire à Dieu, Seigneur, tu nous as bénis aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir être dans ta maison. D'abord entendu, alléluia, amen. Oh. Non, c'est vrai, parce que il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mais il est long. Non, même s'il est long, je suis patient, j'écoute ce qu'il dit. Amen. D'être qu'il est là, pourquoi? Il exprime maintenant son âme. Amen. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Oh mon Dieu, que tu es bon, gloire te soit rendue. Tu as fait ça, mon Seigneur. Puis il pense à son frère, il pense à sa soeur. Pas de problème. Nous sommes où? Dans la maison du Seigneur. Amen. Je reste patient. Amen. Frère. Vous ne savez pas comment l'Esprit de Dieu agit. Vous vous rappelez, vous savez. Il peut te saisir et te faire quelque chose auquel que tu ne t'attendais pas. Amen. Oui, vrai. Mais oui, ma soeur. Nous devons être de ceux-là qui grandissent dans les choses de Dieu pour savoir apprécier les choses de Dieu. Et surtout, nous devons apprendre à donner vraiment beaucoup de temps à Dieu. Amen. Nous étions dans les temps passés impatients. Mais maintenant, nous voulons apprendre à être patients. Seigneur, tu veux. C'est pour ça que le Saint-Esprit prend possession de chacun de nous. Amen. C'est vrai. Si vous pouvez lire, c'est vrai. Je crois que les brochures sont là aussi. Je crois que le frère Panam en parle probablement dans une des brochures en rapport avec le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Le grand problème avec les gens, pourquoi ils ne reçoivent pas? Parce que quand ils se trouvent dans la présence du Seigneur, les Saint-Esprit commencent à pouvoir agir. Ils ne sont pas patients. Ils sont impatients. Il faut laisser, quand l'atmosphère commence, c'est pour ça, en fait, quand l'atmosphère descend, effectivement, laisse. Tu sens que les Saint-Esprit poussent à pouvoir crier, crie. Mais laisse-le prendre possession de ton âme. C'est là que la peur commence. Qu'est-ce qui se passe à la personne quand il sent autour de lui qu'il y a une présence? Est-ce que c'est de Dieu? Et c'est du diable. Et si ça me saisit, qu'est-ce qu'on va penser? Quand tu commences comme cela, le Saint-Esprit ne va pas prendre possession. Tu dis, Seigneur, baptise-moi le Saint-Esprit. Mais il vient. Amen. C'est pas compliqué de recevoir le baptême du Saint-Esprit, frère. Tous ces moments, nous avons ici quand nous prions. Mais il est là. Amen. Alléluia. Frère, soeur, c'est tellement, si ça n'est pas compliqué, mais c'est nous qui compliquons. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Aussi, il y a beaucoup de théologie dans la tête. Il va venir comme ça. Ne vous occupez pas de comment il va venir. Amen. L'important pour moi, c'est que je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment il va venir, Seigneur, c'est ton problème. Amen. Mais toi, tu m'as fait la promesse. Je le veux. Et quand tu dis comme ça au Seigneur, un jour dans la réunion, tu viens, alors on prie, on sent l'atmosphère, je lui dis, Seigneur, c'est mon occasion à moi. Amen. Je veux. Même si tu commences à trembler, reste tremblé. Amen. Amen. Sûr et certain. Amen. Et c'est ce que. Et même si. Il y a une chose. Il y a une chose que vous devez aussi savoir, qui est importante aussi. Quand nous sommes dans l'atmosphère, dans la présence du Seigneur, vous n'avez pas à avoir peur de démons. Parce que là où nous sommes, mais c'est la présence du Seigneur. C'est pas les mauvais esprits qui vont arriver à pouvoir venir entrer en toi. S'il était en toi, alors sera démasqué pour qu'on te délivre effectivement. Amen. Mais quand tu es venu avec le Seigneur, je veux que tu agisses à moi. Le cœur disposé, sache que le Saint-Esprit est là pour entrer en toi. Amen.
Donne-lui l'occasion de prouver que tu as prié, mais il est là. C'est toi qui le renvoies. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, j'ai le feu, gloire à Dieu. J'ai soif de toi, j'ai soif. Oui, il vient maintenant. Je vais rentrer. Oh, je sens autour de moi quelque chose. Est-ce que c'est des dieux? Est-ce que c'est... Et si je... Il dit, mais ouvre le cœur, je vais rentrer. Ah, est-ce que c'est des démons? Et comment ça va me faire? Est-ce que c'est des dieux? Mon frère, c'est Dieu. Amen. Ma soeur, c'est Dieu. Laisse-le simplement. Donne-lui le temps. Comme il commence à travailler, laisse-le entrer, effectivement. Quand il va saisir ça. Je vous l'ai toujours dit, effectivement. Ne vous occupez pas. Le problème qui vous tue, vous, ce que vous avez déjà entendu à gauche et à droite, le tel a dit, le frère a dit ceci, et le mauvais esprit. Vous plébiscitez davantage les mauvais esprits par rapport au Saint-Esprit. Mais c'est vrai. Comment vous pouvez toujours être là? Oh, j'attends Jésus qui vient, il va venir me chercher. Mais tu n'as rien en toi. Toujours, oh, je suis puissant, j'ai la puissance de Dieu. Mais tu dis, mais est-ce que c'est les démons? Tu as toujours peur. C'est pas normal. Je suis puissant et j'ai prié, il est venu. Amen. Et quand il a frappé, j'ai ouvert mon cœur, il est rentré. Amen. C'est comme cela qu'effectivement, que on doit être dans cette condition, cette atmosphère, donner le temps à l'Esprit du Seigneur de pouvoir travailler, d'entrer effectivement, et dire, Seigneur, je te laisse la porte, effectivement. C'est pour ça, parfois, on dit qu'on termine la réunion. Vous voyez, j'ai dit tantôt, je priais pour la sœur Tabitha, non? Nous avons terminé la réunion, je suis rentré dans mon bureau. Et la sœur Tabitha est venue, et là-bas, à la réception, elle dit, moi, je ne peux pas partir sans voir le frère. Puis on m'a dit, mais la sœur Tabitha, tu fais te dire, mais frère, c'est toi. Oui, elle dit qu'elle ne peut pas partir sans te voir. Elle est rentrée dans mon bureau, et s'est assise. Quand elle s'est assise, c'est là que je sentais l'atmosphère autour d'elle. Je la regardais, et quand elle vous parlait, vous réalisez que quelque chose a pénétré l'âme de cette personne. Amen. Et dit, mais quand j'étais à genoux là, pendant que tu priais, ce que tu disais était ce qui était en moi. Amen. Et puis c'était ça, effectivement, la chose qui me bloquait, tu le parlais, effectivement, dans ta prière, quand j'étais à genoux ce jour-là. Et aujourd'hui encore, là, j'ai senti encore, Dieu dit, je veux donner ma vie dans ton Seigneur. Amen. Elle veut te rebaptiser. Amen. Nous l'avons dit, frères et sœurs, que Dieu travaillera. Amen. D'une manière individuelle avec chacun. Amen. Et on peut voir effectivement comment l'Esprit s'est là saisi. Et c'est vrai. Oh, je la voyais effectivement là. Et non, j'étais touché, dit Seigneur, tu es Dieu et ta parole. Amen. Il dit depuis des années, j'étais comme cela, j'étais, je venais, mais il l'a ici, là, il a travaillé mon âme. Je le veux maintenant. Amen. Oui. Arriver à ce point-là, mon frère. Ma soeur. Que vous pensez que c'est du théâtre, en fait. Vous allez être des spectateurs jusqu'à la fin. Amen. Il faut que vous soyez des acteurs. Amen. Des gens qui saisissent et disent, mais Seigneur, tout ce que je fais, c'est pas pour l'homme. Amen. C'est pour ta gloire à toi. Amen. C'est toi que je veux, et c'est toi que je veux recevoir. Et c'est ma vie, c'est tout dépend de ce que je suis pour toi. Donc c'est quelque chose de tellement si important pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Bon, on continue. Lui, en priant, il n'était pas la même parole. Et puis comme s'il disait que, comme le prêtre qui s'imagine qu'à force de parole, ils seront exaucés. Mais quand toi tu pries, effectivement, et puis il dit, ne leur ressemblez pas, merci Seigneur, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, cela ne veut pas dire qu'effectivement que tu viens maintenant dire, bon, maintenant quand on dit louons l'Éternel, je ne loue pas. Parce que mon Père, lui, il sait même, avant que je lui demande, il connaît. Vous comprenez? Amen. Non, louons l'Éternel. En fait, je le loue, je lui dis, Seigneur, vois, je sais dans quelle position je me trouve effectivement la position de la foi, qu'il a les oreilles. Amen. Il entend ma prière. Amen. Ce que je lui exprime, il entend. Donc, je ne fais pas de vaine rédite, effectivement. Mais je lui parle, sachant que, puisqu'il connaît mon cœur, alors je dois être sincère devant lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que pour que vous voyez que c'est vrai, regardez les hommes comme David, comment ils parlaient à Dieu. Amen. Mais ils connaissaient quand même que Amen. Dieu, avant même qu'il parle, Dieu connaissait quand même la parole, n'est-ce pas? Psaume 139, je pense à cela, non? Amen. C'est David qui l'a prononcé. Amen. Regardez comment David loue Dieu dans tous les psaumes. Il aurait pu dire, comme il connaît la parole, je ferme ma bouche. Non, il le louait. Amen. Il lui parlait, il dit, mais Seigneur, regarde ma vie, regarde ma conduite. Mais il savait que Dieu le savait. Amen. Mais de tout son cœur, il exprimait l'amour à son Dieu. Il disait, tu es mon Dieu, si toi tu ne le fais pas. Amen.
C'est ça la prière de la foi. Sachant que le Dieu que je prie, il est vivant. Amen. Il entend ma prière. Il est juste avec moi parce que je sais qu'il me connaît. Amen. J'ai été conçu de l'iniquité. Ce que tu veux, c'est la victoire. C'est-à-dire qu'il connaissait que Dieu le connaissait bien. Ma mère m'a conçu. Tu savais cela. Amen. Voilà ce qui m'est arrivé, Seigneur. Aie pitié de moi. C'est vrai. Amen. Le Seigneur, prends. Tu sais que tu te connais l'iniquité. Je dis rien. Parce que tu sais cela. Mais pardon. Vous comprenez? Non. Il exprime emphatiquement à Dieu. Voyez-vous, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est une grâce, frères et sœurs, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, vous êtes dans l'équilibre. Amen. Quand vous êtes sans l'Esprit, c'est le déséquilibre. C'est vrai. Parce que on voit les hommes à l'extrême gauche, à l'extrême là-bas, on ne sait plus rien faire. Eh oui. Parce que Dieu est un Dieu qui sait parfaitement très bien ce qu'il fait. Alors il dit, ne leur ressemblez pas, mais vous, vous devez connaître votre Père. Qui parmi vous, quand même, si il a un fils qui demande la viande, il va lui donner un serpent? C'est vrai, non? Vous n'allez pas le faire. Quand vous avez votre enfant, vous lui donnez aussi des bonnes choses pour manger, quand même, pour qu'il soit en bonne santé. Voilà. C'est la même chose que quand vous demandez le baptême du Saint-Esprit à votre Père, il va aussi vous le donner. Il a répété cela. Vous comprenez ça? Donc je m'approche de ces dieux, sachant qu'il est disposé à m'accorder. Je lui fais savoir qu'il est aussi dans mon âme, dans mon cœur ici. Voilà ce qu'il y a en fond. Ce que je sais que tu es capable. Accorde-moi la grâce. Je voudrais, Seigneur, trouver une grâce devant ta face pour pouvoir recevoir aussi ce que toi tu as fait comme promesse. C'est vrai, non? N'est-ce pas Dieu qui inspire? Amen. Tout est par lui. Amen. C'est lui qui nous a soutenu. Nous continuons à lui dire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si l'homme vous pardonne aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, c'est merveilleux de pouvoir voir comment Dieu, notre Seigneur, prend vraiment ce temps de pouvoir nous instruire, nous, pour que nous puissions être agréables à Dieu, pour que nous puissions donner et recevoir de la part du Seigneur ce qui est meilleur. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Oui, mes frères, qu'est-ce que cela veut dire, frère? Parce qu'il y a une différence entre l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous suivez? Amen. Le meilleur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'onction, les gens peuvent l'avoir, effectivement. Mais il demeure toujours aussi. Mais quand ce n'est pas... Le Seigneur te montre la voie profonde pour que tu reçoives la meilleure chose de la part de Dieu. Pourquoi il nous dit ici, mais si toi tu ne pardonnes pas, même si il t'a fait, t'a insulté, tu n'es pour rien. On leur vient. Il dit, celui-là, si je le trouve, il verra ce que je vais lui faire. Il dit, si tu ne le pardonnes pas, quand toi aussi, tu vas faillir à l'endroit de ton père, que tu demandes pardon, puisque tu n'as pas pardonné à l'autre, ton papa ne va pas te pardonner. Alors, puisque tu veux que le pardon te soit accordé, pour que le pardon profond te soit... Parce que vous savez, quand le pardon t'est accordé, c'est une délivrance. Amen. Tu sens vraiment, il n'y a plus de lien. Parce que aussi longtemps que le pardon n'est pas encore accordé, Satan te maintient dans l'esclavage. Amen. Ah oui, c'est sûr, c'est comme ça qu'il travaille. Mais quand Dieu t'accorde vraiment le pardon profond, tu sens une délivrance, une paix qui te fait comprendre. Mais tu es dans sa présence. Amen. Maintenant, tu peux demander... Et là,
pas, il dit, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, et toi aussi, sache qu'effectivement, que tout ce que tu peux faire contre toi ne va pas aboutir, parce que le fait que tu n'as pas pardonné à l'autre, toi aussi, le pardon ne sera pas accordé. Mais pour que tu puisses obtenir ton pardon, pardonne, même si lui n'est pas venu vers toi pour te demander pardon. Lui, il peut être bien, il dit, moi, je ne peux pas m'humilier, bon, de toute façon, non, non, toi, non, s'il faut même mettre une carpette, accepte. Amen. Vous vous souvenez? Il a dit, vous m'appelez maître et seigneur. Vous le faites bien parce que vraiment, je les suis. C'est vrai, non? Mais si moi, qui vous appelez seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds. C'est pour que nous comprenions que c'est seulement ce qui est grand, parce que c'est quand on a la sagesse, pour ça il va pouvoir agir devant un homme qui est insensé. C'est lui qui est sage peut conquérir le monde. L'insensé, il agit comme un fou. Allez là-bas, allez là-bas, là-bas. Si toi, tu réponds, vous savez, il y a un frère, ce frère, déjà parti à la maison, il m'avait écrit, il habite là, un ami en fait, c'est un frère, agit aussi. Il m'a dit, mais frère, non, mais c'est quand même, je vois ce frère Jean, il est déjà parti. Il m'a écrit longtemps, il m'a dit, mais frère, là, j'ai vu dans la Bible, et le Seigneur dit, mais dans le proverbe, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Vous connaissez cela, non? Amen. Et puis il dit, mais ce qui est bizarre, c'est que plus bas de ce verset, Dieu dit encore, réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croit sage. Alors frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, frère? C'est extraordinaire, non? Alors, tu dis, mes frères, voilà ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Un exemple, il va dire, ah, mais là-bas, il crie sur toi, si tu le réponds aussi, là-bas. En poussant la voix, en criant sur lui, en sait, comme il te répond, tu es comme ceci, mais moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. Non, 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 non. En fait, tu es aussi homme insensé comme lui. Oui. Mais quand il t'a crié, effectivement, toi, tu restes tranquille. Amen. Alléluia. Et puis après, tu dis, mais en tout cas, mon frère, tu vois bien que c'est vrai que quand tu disais que j'étais comme ça, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là. Les choses sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et toi, tu penses comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu lui montres à la personne, effectivement, que l'état de son esprit, lorsqu'il me parlait de ces choses-là, était comme cela. Et les choses ne sont pas comme ça. Il était donc sous une mauvaise influence. Amen. Amen. Mais vous n'avez pas répondu dans le sens qu'il était là, parce que si vous commencez à pouvoir vous vociférer les deux ensemble, vous avez le même démon. Vous comprenez? Donc, un homme sage, c'est arrivé. Et puis, l'homme sage, c'est là qu'on peut voir effectivement comment Dieu est le source de la sagesse, effectivement. Quelqu'un qui s'arrive à pouvoir s'humilier, quelqu'un qui s'arrive à pouvoir s'humilier et descendre au plus bas, même si il n'était pas dans la condition dans laquelle avait mis effectivement de cette manière ou d'une autre, et qui arrive à pouvoir descendre et s'humilier, donner la possibilité à l'autre de pouvoir se rendre compte que lui, il est plus grand que lui, et que lui, il descend plus bas que lui, cet homme-là, il est sage. Amen. Et cet homme-là ou cette femme-là est plus grand. Alléluia. Oui, monsieur, écoutez-moi bien, plus grand que la personne qui est en face. Amen. Et cet homme-là ou cette femme-là à l'autorité, la puissance au-dessus de la personne qui en face. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Vous entendez cela? Amen. Vous avez remarqué, j'ai voulu aller jusque-là, mais le temps fait vite. Mais vous avez remarqué une chose. Regardez une chose. Quand on a donné l'édit qu'on devait tuer tous les sages, vous vous souvenez? À Babylone.
ils se sont bataillés pour montrer d'abord qui sont, et puis bon, il y avait un qui était là quelque part. Vous connaissez le nom? Daniel. Daniel a dit, dites-le au roi, donnez le temps. Vous vous souvenez? Et quand Daniel est venu vers le roi, vous vous souvenez? Il a dit au roi, mais ce n'est pas que moi je suis plus important. Et quand il parlait, c'était pas... Vous savez, il y a parfois une fausse humilité que les gens se mettent, effectivement, pour qu'ils disent ça, pour qu'on le voit. Non, il était vraiment sincère. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit être vraiment sincère. Amen. Amen. Droit de cœur. Nous voulions arriver à ce que nous avons lu tantôt, chapitre 6, verset 21. Et si Dieu le permet, de voir. Mais regardez d'abord. Alors, regardez bien, il est venu, et je crois que c'est dans je vais lire cela, et puis on va prier ensemble, hein. C'est Daniel chapitre 2, oui, je pense que je l'ai lu. Regardez ceci, oui. Chapitre 2, Daniel dit, verset 30. Daniel 2, 30 dit, si vous y êtes, si ce secret m'a été révélé, vous entendez cela? Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tout le vivant. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et tu connaisses les pensées de ton cœur. Vous avez remarqué? Mais quand les gens ont regardé, regardez très bien, lorsque Daniel a eu à pouvoir donner cela, il ne s'est jamais battu la poitrine, il s'est gardé. Mais quand les autres qui étaient dans le pays, lorsque la situation est arrivée, effectivement, quand il y avait la main, menée, de l'eau facile. Vous savez? Et le maître qui est parti, il fallait maintenant quelqu'un pour lire l'écriture. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a dans cette ville un homme qui a un esprit supérieur, qui a l'esprit de Dieu en lui. Amen. Donc, ce n'est pas Daniel qui a dit, mais les hommes ont réalisé effectivement l'attitude, la manière dont Daniel s'est même tenu, effectivement, en rapport avec ce qui s'était passé. Parce que vous vous êtes dit, mais c'est moi qui vous ai sauvé, n'est-ce pas? Mais toujours, il a fait en sorte que le roi voit que c'est, il n'est pas quelqu'un de tout à fait particulièrement spécial, que les autres aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, il était spécial. Daniel était un homme particulier, que Dieu utilisait, effectivement, par rapport aux autres. Mais il ne sait jamais... Alors voilà qu'il avait quelque chose de particulier, effectivement, que parmi tous ceux qui étaient sages là, il était puissant. Il était au-dessus. Il avait tout, effectivement, parce que Dieu était avec lui. Et même dans la fosse au lion, Dieu a fermé la gueule du lion pour cet homme-là. Amen. Oui, mon frère. Il s'est jamais révolté contre le roi. Il dit, oh roi, vie éternellement. Et on l'a jeté là-dedans. Même le roi, quand il a regardé, il était tellement triste et malade, il n'a même pas dormi dans sa chambre, dans son lit. Donc, l'homme, dans la nuit, il priait pour que. Il dit, oh, quand vous savez la force, vous connaissez, non? Oh, Daniel, puisse le Dieu que tu sers dans, avec autant de dévouement. Mon frère et ma soeur, l'humilité est quelque chose de tellement merveilleux qui fait de toi, même aux yeux des hommes, quelqu'un de plus grand. Amen. Par contre, l'orgueil vous a vili, en fait. Par exemple, moi, je suis. Tu penses que quand tu fais comme ça, les autres considèrent toi comme grand. Non! On dit, mais ça vaut rien, cette personne. Amen. Et c'est pas toujours pour ceci. Et toi, tu penses que, oui, je m'avance là qu'on voit. Mais en fait, on est en train de dire, mais il ne vaut rien. Tu vois que tu vaux quelque chose. La grandeur. Amen. C'est ce que nous devons réellement apprendre, effectivement, que dans un fils de Dieu, c'est pour ça, le Seigneur envoie la parole pour nettoyer, travailler. L'orgueil ne peut jamais faire partie d'un véritable fils et fille de Dieu. Parce que l'orgueil
et le mensonge marchent ensemble. C'est la nature du malin. Amen. C'est vrai, non? C'est pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu là. L'orgueil. Et pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu? La simplicité. Parce que tu as accepté ce que les autres vont te dire. À croire en ces Jésus. Mais moi, oui. Mais moi, oui, parce qu'il m'a ramassé. Amen. Chanter ces Jésus alors que dans ce monde, hey, moi, oui. Amen. Et vous comprenez? Donc, moi, oui, donc tu n'as pas honte de lui. Amen. Eh oui. C'est lui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. C'est un choix. Alors, c'est d'avoir le temps pour arriver à pouvoir réaliser. Parce que, il dit une chose que là où se trouve votre trésor, il dit là aussi sera ton cœur. Vous avez remarqué quand même dans la Sainte Écriture, il dit qu'il a dit, hein, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ton cœur à toi se trouvera là où se trouve. Les... Parce que quand on parle de trésor, c'est la chose qui est importante pour toi. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui est important pour l'homme sur la terre aujourd'hui? Vous pouvez sortir et poser la question aux gens. Madame, bonjour, mais comment ça va? Ça va bien. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui? Là, quelqu'un qui est électrique. Parce que dans ce bas monde, frère, les gens, ils se battent. Pourquoi les gens se battent le matin jusqu'au soir, effectivement? Qu'est-ce qu'il y a réellement de plus important pour cette personne? S'il se bat, c'est que la chose est tellement si importante pour lui. C'est vrai ou pas? Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est vraiment ton trésor à toi? Parce qu'il y a un problème qui va se poser. Je vais les temps. Il y a un problème qui va se poser. Sûr et certain. Parce que l'homme en soi, tel que tu es, tel que nous sommes, il y a quelque chose, des choses qui sont tellement si importantes pour nous et impératives dans notre vie. Et tous les jours, même le fait de notre existence. Et ces choses-là, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, elles sont tellement si importantes pour toi. Parce que, en tant qu'être humain, nécessaire. Tu dois savoir quelles sont les choses dans ta vie à toi. Il ne faut pas tromper, faut pas vous tromper directement. Non, il faut quand même que vous soyez aussi sincère devant Dieu. C'est vrai. Sincère dit c'est vrai, Seigneur, que quand même, que voilà. Parce que il faut bien comprendre que. Et quand Dieu te pousse, te montre effectivement, tu deviens nerveux ou nerveuse dans ce sens. Quand on touche ce point-là, tu deviens nerveux. Que ce soit dans la vie de tous les jours, ou au travail, je sais pas. Quelle est la chose qui sont les choses qui sont vraiment si importantes pour toi, précieuses pour toi? Ne trompe pas, frère, ça. Parce que l'Écriture nous dit, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, parce que j'ai dit, parce qu'il va y avoir un problème. Aujourd'hui, tu viens à Dieu. S'il vous plaît, votre attention. Je suis dans la maison du Seigneur, je viens prier. Effectivement, vous devez connaître une chose. Ce que c'est Dieu vers qui tu es venu. Pour lui a posé la question au Seigneur, quel est le premier, pas sur le commandement, ne sont pas venus de toi ni de moi, mais de lui. Amen. Quel est le premier, le plus grand de tous les commandements? Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul. Il répond à la question qu'on lui a posée.
Il oblige ma soeur. Vous observez cela, non? Alors, il dit, mais écoute, ô Israël. D'abord, l'Éternel, ton Dieu, il est l'unique. Il est le seul. Ah oui, il est le seul, il est, c'est bon. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, écoute bien ce qu'il veut. Lui, il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. De tout ton âme. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, ne vous trompez pas vous-même ou ne dites pas ceci qui n'est pas vrai. Parce que chacun de vous doit d'abord s'examiner. Seigneur, c'est vrai quand même que dans ma vie, c'est là que Dieu va te bénir. Amen. Faut pas fabriquer des choses. Seigneur, je t'aime de tout. Non, 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 non. Maintenant, sois sincère. Amen. Qu'est-ce qu'il y a réellement? Parce que là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Ton cœur travaille pour quoi? Ton cœur, qu'est-ce qu'il cherche effectivement? Parce que nous sommes tous des humains. Donc là, il faut toujours faire la différence entre la partie humaine et la partie spirituelle. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ah, que Dieu nous aide. Quelle est la chose réellement? Et quand tu es vraiment sincère devant Dieu, il ne faut pas fabriquer, dire Seigneur, je t'aime. Non, il ne faut pas être comme ça. Sois sincère envers Dieu, Seigneur. Là, je me tiens maintenant, là, mon cœur, c'est vrai, tu es dans la maison, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vraiment, 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 dans ma vie, là, mon cœur, il est où? Dans mes études, dans mon travail, dans mes enfants, dans ceci, dans cela. Et qu'est-ce qui est la chose qui me préoccupe aussi et qui me tape effectivement sur les nerfs? Vous comprenez? Quand je suis même dans ta maison. Vous savez, frère, nous le disons souvent ici. Waouh! Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous entendez bien? Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez passer 2 minutes avec lui? Non. Répondez quand même, frère. Non. Une heure, se peut. Hein. Amen. 2 heures, c'est encore peu. Non. 3 heures, c'est encore peu. On le veut toute la journée. Amen. On était là, ensemble, parler, marcher, s'éteindre, effectivement. Donc, toute la journée, vous voulez la personne. Amen. Amen. Soyons sincères, frère. Amen. Là où que Dieu te bénisse. Là où se trouve ton trésor. Là où c'est là aussi, toi, c'est toi, ton cœur y est. Le Seigneur a dit, faut pas. Et souvent, il pourrait dans pendant que. Oh, je vais prier, mais Dieu sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Tu n'es pas sincère. Il le sait. Tu vas tromper l'homme qui est en face de toi. Oh, bah non, prier. On dit, mais en fait, tu es faux. Mais Dieu sait que tu es faux. Amen. Alors maintenant, ton cœur à toi, où est-ce qu'il se trouve? Je l'ai dit tantôt, non? Quand tu aimes quelqu'un, chacun de vous le sait. On a envie de rester là, de le regarder, de le tenir, marcher avec, parler avec, parce que ça vous fait plaisir. Amen. 1 heure se passe, 2 heures se passent, 3 heures se passent, 4 heures se passent, 5 heures se passent, toute la journée entière. Amen. Jusqu'au soir. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, non? Mais quand on l'aime pas beaucoup, beaucoup, et que, effectivement, le cœur n'y est pas, rester 1 heure, c'est dur de rester avec quelqu'un. Ah oui, on peut forcer. Oui, c'est vrai, c'est bon. Il est là, il me lâche, demain, tu vas partir. Je suis pressé. Là, tu deviens, ah, j'ai des choses à faire, des choses, beaucoup de choses. Des choses qu'il n'a même pas, mais tu inventes. Parce que tu veux t'en débarrasser, puisque pourquoi? Le cœur est ailleurs. Oh oui, certainement, c'est vrai. Tu aimeras. C'est ce qu'il a répondu, non? C'est Dieu dont tu me poses la question, dont tu es intéressé. Parce que si tu veux avoir affaire avec lui, tu veux marcher avec lui, sache une chose, que c'est un Dieu qui est très possessif. Amen. Oui. Oui, ma bien-aimée sœur, vous êtes. C'est la vérité, 100%. Très possessif. Il dit, oui, quand il aime.
toi, quand il attend de toi, il attend ton âme. Et à côté, écoutez, il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. Ça va. Mais maintenant, il dit, non seulement le cœur, les pensées. Amen. Pas seulement d'une pensée, mais de toutes tes pensées. Oh là 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 là. Bon, ça va passer un peu la vie. Et puis non seulement ça, mais de tout ton être. Ah, ah, il est vraiment possessif. Hein. Amen. Tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, tout ton être. Donc, ça dit que tout ce que tu es n'est fait que battre pour lui. Amen. Ah. Voilà l'exigence, en fait. Voilà ce qu'il, lui, il exige et ce que lui, il demande. Voilà ce que lui, il attend de celui qui est de son cœur. Est-ce que tu es capable? C'est pourquoi il a dit, c'est pas possible. Nul ne peut servir. Soit il aimera l'un et haïra l'autre, mais il ne peut pas avoir les deux maîtres. Lequel? Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment la parole de Dieu, frères et sœurs, je vais rester là. Je ne sais pas si vous saisissez cela, mon frère, ma soeur. Je vais lire une écriture dans le livre. C'est pour ça que j'ai pris ici la dernière. Si vous prenez dans la vôtre, parce que j'aurai le temps, je vais vite, peut-être rester longtemps. Mais si vous prenez dans la Luce et que vous avez, dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 4, jusqu'à 5, je pense cela. Alors, je vois mon frère qui est assis devant moi, ici. Bonsoir, mon frère. Oui, tu peux te lever, mon frère. Et tu mets, tu lises effectivement dans la Bible que tu as. Oui, tu te lèves, toi, le frère Jonas. Tu veux bien lire, mais lis à haute voix. Hein. Ça va bien. Attendez, je vais y arriver aussi d'abord, parce que là, dans la Bible ici. Alors, de Timothée, oui. Chapitre 2, je pense que c'est cela, oui. Les versets, verset 4. Et jusqu'à 5. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. À l'athlète n'est pas pour. À l'athlète n'est et, pas. Et l'athlète n'est pas couronné. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas, il n'a pas combattu suivant les règles. Merci, merci. Oui, tu peux t'arrêter là. Merci, frère, tu veux t'asseoir. Alors, dans la version David, enfin, la version que vous avez en train de lire, voyez comment il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. C'est Segond qui a fait. Mais dans la version originale, regardez comment, effectivement, la chose a été donc dite. C'est dans David. Il dit ici, vous avez dit que ça va. 2 Timothée 2, verset 4, il dit, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Est-ce que c'est clair? Amen. Par rapport au présent, à l'avance, hein? Nul homme ne va à la guerre, je le dis encore, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie civile afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Est-ce que vous avez compris? Les choses qui nous créent de problèmes, nous, je l'ai dit, nous, en fait, avec Dieu dans notre marche, avec Dieu dans notre marche. C'est quoi en réalité? Parce que, mon frère et ma soeur, dans l'état dans lequel nous sommes avec le Seigneur, nous devons encore vivre des choses tout à fait particulières, extraordinaires. Pourquoi
cela ne se fait pas avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Le Seigneur n'est pas un Dieu aveugle. Hein? Non, il est bon, Seigneur. Amen. Il est merveilleux. Il est glorieux. Amen. Vous savez ce qu'il a dit? Et c'est quand même extraordinaire, frère, de réaliser que cela, c'est des centaines d'années passées longtemps. Et alors que le Seigneur va clôturer l'histoire du salut, il te ramène à ça. C'est quoi? Mais c'est quand ces vieillards ici, Élie, s'éteignent debout, il dit, mais jusqu'à quand que le Seigneur vous découvre? C'est vrai ou pas? Amen. Oh frère, nous l'avons entendu, c'est la vérité. Mais il a posé la question exprès. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Ça veut dire que ici et là. Ça veut dire quoi? Ton cœur à toi, il n'est pas droit. Il est un peu ici et un peu il est là. Donc tu es là dans le Seigneur, mais tu as beaucoup de préoccupations à l'extérieur. Frère, nous n'avons pas le temps. Mon frère et ma soeur, vous pensez que Dieu, c'est un jeu, s'engager dans les choses de Dieu, c'est un jeu? Non! L'engagement à l'endroit de Dieu, c'est un engagement personnel. Amen. Le membre de ta famille, à toi, mon frère, ne peuvent pas devenir une préoccupation de la marche. Amen. Enfant, papa, maman. C'est vrai. Oh oui, c'est dur à entendre. Seigneur, je ne vais pas te servir parce que mon enfant, ça ne va pas du tout. Aïe, ma fille, ça ne va pas. Ma maman, ça ne va pas. Mon papa, ça ne va pas. Mes affaires ne vont pas. Ma soeur, mon frère. Ton cœur à toi, il est où? Dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études. Tu montres à Dieu ce qui est important à tes yeux par rapport à lui. Je ne sais même pas prier comme il faut parce que et ça ne va pas, mais ça ne va pas. Mais en fait. Tu attends que quoi? Que Dieu calme la tempête chez toi à la maison pour que tu puisses lui dire, je te loue de tout mon cœur. Tu es le Dieu que j'aime parce que tu as fait le travail pour moi. Tu montres à Dieu, Seigneur, ce qui est important à tes yeux, à mes yeux, à moi. C'est pas toi. C'est ça. Si tu me solutionnes ça, je t'aimerai. Si toi tu fais ça pour moi, alors je saurai que tu es le grand Dieu. Tiens. Vous lisez souvent Job, n'est-ce pas? Ne passez pas vite au-dessus, effectivement, des gens. Asseyez-vous. Entrez dans la peau des gens. Entrez dans la peau des gens. Que Dieu prenne ce qui vous est cher là. Satan le savait. Il dit, non. Il te loue pas pour rien. Tu as mis la paix là-bas, tu as donné ceci et cela. C'est par intérêt qu'il le fait. Il ne t'aime pas vraiment. Hein. Si toi tu ne le bénis pas, il ne va pas te louer. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne perdez pas votre temps en disant je suis dans la maison du Seigneur, tu diras très bien. Frère, il faut faire attention, ma sœur. C'est pas jamais dit, je vais une grande foule. C'est le peuple de Dieu que je cherche. Amen. Le fils et les filles de Dieu qui savent effectivement. Ça ne sert à rien d'avoir des millions pour simplement des histoires inutiles. C'est Dieu te parle, toi, pour que tu sois sérieux dans les choses de Dieu. Amen. 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 Tu fais des distances, des kilomètres, mon frère, pour qu'à la fin, tu sois dans le trou. Mmh. Dieu est très exigeant. C'est un sacrifice que l'on fait dans nos marches. Tu dois faire un choix. Il ne faut pas penser que tout va aller comme ça, puis bon, puis là. Non, moi, je dois savoir où j'en suis avec Dieu. Quand...
Job, ses biens, ses enfants, et même sa femme qui lui dit, oui, 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 maudit Dieu, meurt. Tout homme sur la terre, la richesse qu'il a, c'est aussi le bien qu'il entoure. Vous n'allez pas me dire le contraire. Hein? C'est vrai ou pas? Celui qui touche ton fils, ton enfant, à toi, il te touche. C'est vrai. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non. Mais quand est-ce que tu comprendras que cet enfant que tu as, ou ton papa, ou ses parents, tout ça, dans la marche avec Dieu, nous devenons. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, je crois que c'est toujours bien pour avoir la situation ici qui arrive. On a touché à mon enfant, on a fait ça à mon enfant, j'ai livré encore des bébés ici. C'est vrai, sœur, c'est vrai. Un frère a le droit de corriger l'enfant de son frère. Amen. Une sœur a le droit de corriger l'enfant de sa sœur. Si ça ne vous plaît pas, ici ce n'est pas votre place. Nous ne sommes pas une association, une communauté. Nous sommes un peuple de Dieu où nous apprenons à savoir ce qui est important aux yeux de Dieu. Si cet enfant de mon frère, je considère comme étant le mien, je ne vais pas le tuer. Je ferai le nécessaire pour que cet enfant, si je dois corriger, je corrige avec beaucoup d'amour. Si son papa, ça va dire, oh, touche pas à mes enfants. Il dit, frère ou soeur, ici, ce n'est pas votre place. Et c'est vrai ça, vous pouvez aller chercher une autre assemblée ailleurs. Nous ne sommes pas ici pour pouvoir, c'est entre parenthèses. Chacun doit arriver à pouvoir comprendre qu'est-ce que nous faisons ici, qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce qu'il y a. Ces enfants qui se tiennent ici, qui chantent, ils doivent avoir effectivement, quand ils vous regardent, ils disent, mais la sœur Maria, c'est ma mère. Le frère Rosario, c'est mon père. Si le frère Rosario me dit, lève-toi, va là-bas, je l'obéirai comme à mon papa. Ces enfants doivent avoir cela. Quand ils vont grandir, l'empreinte de Dieu dans eux, frère, fera que vous verrez des hommes et des femmes qui servent Dieu. Mais oui, frère, c'est ça l'évangile que nous avons. C'est à ça, en fait, Dieu nous conduit à pouvoir nous détacher totalement des choses sur lesquelles nos cœurs et nos âmes se sont accrochés. Pour s'accrocher à Dieu. Amen. Vous savez, frère et soeur, si vous n'arrivez pas à cela, vous n'avez rien fait de plus. Parce que les associations païennes font la même chose. Où se trouve ton cœur? Là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est vrai, non? Là où se trouve ton trésor, là aussi sera aussi ton cœur. Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3. Vous connaissez cela, non? C'est quand même. Non, vous ne venez pas plus loin. Mais c'est parce que je veux, mais c'est pas plus. Il dit. D'abord, il dit. Vos petits enfants, vous les avez vaincus. Il dit plus loin, il dit, mais vous avez vaincu le malin. N'est-ce pas vrai? Et puis quelque part, et ça, ça m'a touché. L'écriture dit, c'était vraiment assez clair, dit, mais n'aimez pas le monde. Est-ce que vous avez entendu? C'est écrit, hein? Vous savez, c'est avec c'est quand on lit, effectivement, c'est pas à l'infinitif, mais c'est avec Z, c'est-à-dire que c'est un ordre. N'aimez pas, donc avec Z. C'est pas n'aimez pas, comme on conjugue le verbe l'infinitif, mais là c'est un ordre. N'aimez pas le monde. Vous pouvez le lire dans le livre de Jean, c'est écrit comme cela. Parce qu'il dit, mais car c'est lui qui aime le monde. Et les choses de ce monde, c'est terrible, hein?
la mort du Père n'est point arrivée. Regardez-moi ici, je ne vous laisse pas dire sur vous. Parce que quand je cite, vous dites, je cite mal. C'est vrai, je peux citer mal. Mais dans le livre d'un Jean, il dit clairement. J'avais fermé pour vous dire pourquoi rentrer chez vous. Il y a un Jean, oui, et puis je lis ça, levez-vous et qu'on va prier. Quand je lis, puis nous prions. Et pour rentrer chez vous à la maison, est-ce que demain, vos enfants vont aller à l'école. Et voilà. Il dit ceci. Il y a un Jean, oui, c'est vous. Un Jean, oui, chapitre 2, un Jean, premier épître de Jean, après 2 Pierre, premier épître de Jean. Épître de Jean, verset 15, il dit. Verset 15, il dit. N'aimez point le monde. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Amen. Ni les choses qui sont dans le monde. C'est quand même fort, non? Vous avez entendu? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais pourtant, je suis dans le monde. Et pourtant, je suis dans le monde, non? Dans le monde, il y a des obligations, il y a des exigences que je dois remplir, moi. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, l'Écriture te dit, n'aimez point le monde. Ni même les choses qui sont dans le monde. Frère, mais où est-ce que nous allons? N'avez-vous pas entendu? Mais quel rapport y a-t-il entre Christ et Maria? N'est-ce pas vrai? Nous continuons à dire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est impossible que vous me dites que vous aimez vraiment Dieu de tout votre cœur et que de l'autre côté aussi, que vous vous embarrassiez vraiment de choses qui concernent. C'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Elle me regardait comme s'il fallait. Il dit, mais il met l'homme qui s'engage effectivement dans les choses, parce qu'il ne va pas avec la guerre, effectivement, ne s'embrasse pas des choses de la vie. Fait des plans à ce qu'il a envoyé pour rien. N'est-ce pas vrai? Nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre ou un jeu, frère et soeur. L'apôtre Paul dit, mais je traite de mon corps. Il y a une exigence, en fait, qu'il faut. Et comme le Seigneur ne le fait pas, effectivement, il s'agit effectivement de l'amour, parce que quand notre cœur, le cœur, en rapport avec le cœur, il s'agit de ce que nous aimons, ce que nous désirons, ce que nous avons comme chose principale. Vous avez entendu dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, ou son nom, je ne sais pas moi où ça, plus que moi. Vous avez déjà lu? Amen. Il est vraiment digne de moi. Non. Parce qu'il a beaucoup d'amour pour les hommes. Non. Non. Il a dit, il n'est pas digne de moi. C'est terrible de lire quand même ça entre les... Le Seigneur lui-même a dit, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, son fils, ses enfants, et tout ça, plus que moi. Il n'est pas digne de moi. Et pourtant, nos enfants, nos affaires et tout ça, sont des choses qui nous tiennent à cœur dans notre vie de tous les jours. Le volontaire. Je vous l'ai dit, le Dieu que nous servons, il faut le connaître, frère et soeur. Ce n'est pas un bon papa, un bon grand-père dont on peut se permettre de pouvoir faire n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe comment. Non, il est très exigeant. Un jour, vous allez pleurer et regretter, frère. Je l'ai toujours dit. Vous le regretterez aussi longtemps que vous ne prenez pas vraiment à cœur les choses que Dieu nous dit. Sûr et certain, vous allez le regretter. Mais par contre, si vous sommes quand même sages et que nous prenons à cœur ce que Dieu nous dit, alors, c'est pour ça, maintenant, regardez, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Dieu ne veut pas être partagé avec quoi que ce soit. Ni avec qui que ce soit. C'est pour ça, Dieu, les mariages, les travails, les études ne peuvent jamais être plus importants que Dieu. Amen.
Il y en a qui entendent, je veux me suicider si moi je ne me marie pas avec cette femme, si ma vie n'a plus de sens. J'ai dit, Seigneur Jésus. Non, mais c'est la vérité, non? Si moi je n'ai pas cet homme ici, ma vie n'a plus de sens. Donc, c'est ce monsieur-là qui donne le sens à ta vie. C'est cette dame-là. Alors Dieu ne peut plus donner le sens à ta vie. Ce travail, si je le voulais, j'ai étudié pour l'avoir. Si je n'ai pas ce travail, en toquant, 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 je vais mettre la compte de vous à cause du travail. Mon frère et ma soeur, parfois nous ne réalisons pas en fait en réalité ce qui est plus important pour nous. On a l'impression qu'on aime Dieu, qu'on lui a donné réellement la place qu'il faut. Mais quand tu les prévaries, c'est là qu'on voit ta vie. Quand une situation est bouleversante dans ta... Je ne sais même plus prier, frère, je prie que si la situation, mon Dieu, pourquoi? Parce qu'il me préoccupe. Ça, c'est vrai. Mais où as-tu placé Dieu, en fait? Voilà. La situation, il a pris la place de Dieu. Dieu est devenu en dessous parce que... Vous direz, frère Léonard, tu nous embêtes, c'est pas grave. Écoutez bien, qu'est-ce que la Bible me dit? La nuit même, quand je dors. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est l'écriture, non? Amen. Oh. C'est la vérité. Amen. Vous voulez que vos problèmes soient solutionnés? Placez le problème à sa place. Amen. Et Dieu à sa place. Amen. La solution vient. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes de tension à cause de la tête. Comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, comment cela va se passer pour moi. C'est vrai, non? C'est la place. Le problème est passé au-dessus, il est en dessous. Mais vous chantez là, il a chanté l'autre fois ici. Qu'est-ce qu'il a chanté? L'Éternel est mon berger, il me manquerait. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom. Alléluia. C'est pas vrai? Amen. Dieu te bénisse. Amen. Nous chantons cela, nous sommes là. Alléluia, gloire à Dieu. Éternel est mon berger, je ne manquerai. Et quand tu sors, comment ça va être? Mais tu as dit tantôt. N'est-ce pas, ma bien-aimée? Tu l'as dit tantôt, tu l'as même chanté là. Je ne manquerai. Et derrière, tu sors. Aïe. Qu'est-ce qui. Comment ça va se passer demain? Est-ce que tu sais? Tu l'as chanté. Plaçons la chose à sa place. Retirons nos cœurs là où on l'a placé. Pour le placer là. Alors il te dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Il ne va pas t'oublier. Non. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. 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 Quand on place cette chose à la place, effectivement, eh bien, Dieu te donnera. Merci. Donc, que ce soit les enfants, que ce soit la femme, tout en dessous, Dieu au-dessus, Amen. Tout ira Amen. Pour le. Amen. Amen. Considère sa parole. Considère. Ses promesses, garde-les dans ta vie.